Salut tout le monde, c'est Pinky, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous en avez marre de Fortnite, vous en avez marre de Call of Duty, vous en avez marre d'Apex, vous en avez marre de tous les jeux. En l'occurrence un peu comme moi en ce moment hein. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le test de l'impossible. Alors qu'est-ce que le test de l'impossible? C'est tout simplement un florilège de questions, je ne sais pas combien il y en a, j'ai pas encore testé le jeu. Un florilège de questions sur tout et n'importe quoi en fait. Et c'est des questions hyper tirées par les cheveux, des questions grave casse-couilles hein. Vous avez dû déjà voir des vidéos sur ce genre de jeu ou autre hein, je sais pas. Donc on va essayer de jouer ensemble. Ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, loin de là. C'est juste moi, j'ai eu envie de faire une vidéo de ce type. Je trouve ça, moi ça me fait rire quand je regarde ce genre de vidéo. Alors voilà, j'avais envie de vous partager ça aussi sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez déjà testé le jeu, jusque quelles questions vous avez réussi à rester sans rager ou du moins sans quitter l'application. On est parti, let's go jouer. Alors, question numéro 1. Tronvel a Noitsuk Etek Asdo, quoi? Pardon. Alors la réponse t'as KO, hein. La même merde, hein, je comprends rien. Pas compris, alors attendez, laissez-moi réfléchir, voir si on peut lire en verlan déjà. Bah non, ça n'a aucun sens en fait. Alors les questions n'ont aucun sens à l'envers. Donc je répondrai... Faut que je répondrai 1. Ok, très bien, donc c'est pas ça. Je répondrai KO. Putain, le truc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, racine carrée d'orange, 48... carotte, pi ou mandarine? Je dirais mandarine, c'est ce qui se rapproche le plus de l'orange. Clique sur la réponse. Ouais, N-A... Toutes les précédentes. Je dirais ça. Ok. Bon, putain de merde. Je dirais ça. on est reparti pour un tour, les amis. Bon, bah écoutez, on est reparti hein, pour un tour. Clique sur la réponse. Clique sur la réponse. Attendez. Les bâtards, c'est tellement un truc d'enculé, putain. La réponse est vraiment grande. Réponse grande, très grande, vraiment grande, grande. Bah, la réponse est vraiment grande. Voilà, putain, mais quel budget. 38 moins 33. Bah, 5. Malheureusement, j'ai pas 5. Alors, 7, 4,5, 3, 12. Attendez, je cherche ailleurs maintenant. Hein. Je cherche ailleurs parce que j'ai l'impression qu'ils foutent les réponses à... Putain, mais quelle vente d'enflure! Quel est le plus petit point? Bah celui-ci. Et voilà notre petit point, hein. Là. A few moments later. J'ai pas envie de cliquer là parce que je sens que c'est pas ça. Ce serait trop... C'est trop évident. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut pas cliquer sur les choses les plus évidentes, justement. Là, peut-être. Quel est le plus petit point? Ah, les bâtards! Oh, putain! Ah, les enfoirés! Combien y a-t-il d'éléphants? 8, 3... Aucun, deux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le rapport avec cette souris? Ah, c'est une blague, je peux déplacer la souris. Je la mets sur les réponses ou. Ou je la mets. Non mais, et sérieux, ils cherchent les trucs tellement loin. Mais je vois pas le rapport entre foutre une souris dans un trou et que derrière il y a deux éléphants qui pop. Expliquez-moi juste le rapport, il n'y a aucune. Bah, aucune logique en fait dans le truc. Donc du coup, il y en a deux, je suppositoire. Exactement, combien de pantalons a-t-il de trous? Combien de pantalons a-t-il de trous? Bah 2, mais bien entendu ce serait trop évident. Attends, si je compte les trous là, non ça n'a aucun sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais non c'est pas ça. Est-ce que je réponds 2? Et en fait c'était ça, justement, en fait dans ma logique de pas logique, ils font une logique, j'en sais rien. Vas-y, je réponds 2. Excellent! Alors combien de pantalons a-t-il de trous? Putain, c'est une blague, je vais devoir recommencer hein. C'est pas une blague, je regardais la jauge. Je suis tellement loin de la fin. On va répondre 8. Game over, bah oui, excellent. Allez, on est reparti pour un tour. Alors, KO, mandarine, réponse, vraiment grande. C'était quoi ça? 5. Quel est le plus petit point ici? Combien a-t-il d'éléphants? La troupe. J'aurais pu répondre directement, en réalité. Combien de pantalons a-t-il de trous? Donc nous avons déjà répondu 5. Nous avons répondu... je sais plus si on a répondu 6 ou 8. Alors je vais dire 8. Et bah oui. Et bah, je vais dire 5. Et bah c'était 5. Je n'ai aucune idée. Je ne sais même pas pourquoi j'ai répondu ça. Hein. Alors quelle boussole indique le nord? Donc bah, ça semble être celle-ci. C'est ça? Oui, pour une fois, putain, ça avait un sens. Alors quelle est la plus grande flamme? Alors de base, ce serait celle-ci. Laissez-moi voir, les rondins sont les mêmes. J'ai envie de répondre ça, hein, ça n'a aucun sens. Et voilà, bien entendu. Alors celle-ci, game over. Alors excellent, ce jeu n'a absolument aucun putain de sens. Je veux dire, les mecs qui ont fait ce jeu, réellement ils étaient défoncés hein. C'est pas possible autrement. Et on est reparti pour un tour les amis. KO, mandarine. Et quelle est la plus grande flamme?
C'est une blague là. Quelle est la plus grande flamme? Non, j'ai pas voulu répondre ça. Non, 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 non. Non, je veux pas voir la réponse. Quelle est la plus grande flamme? Mais je ne comprends pas. Quelle est la plus grande flamme? Je ne vois aucune autre flamme en fait. Donc ah, attendez les bâtards. Ah les enfoirés. Quoi? Et donc? Non. Non, mais j'ai pas cliqué dessus, j'ai lâché le clic. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? On va cramer ce truc quand même. Les potes, je ne sais pas. Hein. J'en ai ras le cul. Putain! Je vais craquer, sérieux, je vais craquer. Je ne comprends pas. Si je mets une flamme dans une autre flamme, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une plus grosse flamme, on est d'accord? Alors pourquoi ça ne fonctionne pas quand je fais ça? Je ne comprends pas, putain de merde. C'est un truc de fou quand même. Hein. Oh, et quelle est la plus grande flamme? Éternelle question. Comment je dois faire, sérieux? Il y a un truc avec ça. Hein. Mais que faire? That is the question. J'ai pas encore essayé de le brûler. Jure. Non mais c'est une blague. C'est une blague, il fallait cramer le... Fallait que je brûle l'alpaga, hein, tout va bien, le jeu est totalement logique. Où est l'oignon? Alors j'ai 3 vies encore, donc j'irai un oignon, c'est ça. Putain, mais quelle bégette, voyez, hein, Pingic la cuisto, elle connaît, hein. Qu'est-ce que c'est? Un biscuit, un dessin, une planète, la question 12. Bah la question 12, putain. Non mais tu vois, je te jure, plus tu joues, plus tu pètes un... Attends, attrape le papillon rouge. J'ai réussi à la voir. Quoi? C'est quoi cette bombe? Vite, 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 vite. Mais non! Mais... J'ai réussi! Ouvre le coffre-fort. Putain, il fallait vite là, en fait. J'ai même pas le temps de vous parler. Attends, reset, open. Quoi? Attends, je ne comprends pas. Reset, bah, open. Non? D'accord, ça aurait été trop facile. Je sais pas là, je ne comprends pas. Oh non, putain, je dois recommencer tout depuis le début. J'ai les boules. Oh putain. Et là, ouvre le coffre fort. Je vais essayer de faire ça. Ah d'accord, ça aurait été trop facile, n'est-ce pas? Sérieux, je suis du père. Sur celle-ci, je suis vraiment perdu. Hein. Non mais est-ce qu'ils se rendent compte une seule seconde du nombre de combinaisons que je peux faire avec 5 putains de trous, sérieusement? Ouvre le coffre fort, y a pas une astuce? Ah mais non, pourquoi j'ai mis ça? Je sens que je vais tricher. J'ai envie de cheater à mort. Mais attendez, je suis quand même à la question je ne sais plus combien. Ouvre ce fucking coffre-fort. C'est pas reset, c'est pas open déjà. Voilà. Pourquoi ça met des trucs rouges? One eternity later. Voilà. Pourquoi? Mais pourquoi? On ne sait même pas pourquoi en fait. Bon les amis, après je ne sais pas combien de décès, hein, et de reset et de machin et de open et de décès, j'ai été voir. Non, j'ai honte. J'ai vraiment honte, mais je sais que ça se joue pas comme ça, mais je suis une tricheuse, hein, dans l'âme. Comme j'étais sur GTA, j'avais une feuille avec un milliard de codes triche. Hein, j'avais la flemme de me faire de l'argent moi-même, alors du coup j'utilisais des codes. Je sais pas, hein, c'est peut-être comme ça depuis ma jeunesse sur Seria. Et donc du coup ça n'a aucun sens. Hein. Réellement j'aurais pu plonger là-dedans durant des heures que j'aurais pas réussi à trouver, sérieusement, parce qu'en fait c'était 1, 3 et open. Alors, me demandez pas pourquoi, j'en sais foutrement rien. Où était la réponse de la question 1? Attendez, c'était quoi la question 1? C'était KO. Non, non, c'est celle-ci du coup. Débloque l'écran, glisse vers la gauche. Mais non, glisse vers la gauche. Mon dieu, comme je suis nulle. C'est incroyable, hein. C'est écrit sous mes yeux. Et même quand c'est écrit sous mes yeux, j'arrive à me faire. Non mais vraiment, le coffre-fort, sérieux. Si quelqu'un comprend pourquoi c'était ça, bah qu'on m'explique, parce que je n'arrive pas à comprendre, là, en fait. J'ai beau me creuser la tête, je n'arrive pas à comprendre. Et du coup, glisse vers la gauche. Où se dirige la lampe torche? Bah vers la gauche. Bah oui, vers le haut. Non, attendez. Bah vers le haut. Putain, mais la honte. Oh, libère le ballon. Putain, elles sont faciles! Clique sur le vert! Non! Clique sur le vert? Non plus. Ah bah non, le vert, on s'est écrit. Ah mais non! Combien de lettres à cette réponse? Combien de lettres à cette réponse? Une, deux... Attends, combien de lettres à cette réponse?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça peut pas être ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Putain! Mais regardez-moi cette logique! Que se cache-t-il derrière l'arc-en-ciel? La réponse. C'est une blague! J'arrive sur la question 4, là, je te fais un full run. Allez, il me reste une vie, hein. Qu'est-ce qu'un kayak? Un palindrome? Obtient 20 à l'examen. Tada! Gagne morpion. Moi, je suis quoi? Je suis la croix? J'ai... Où est-ce que je vais chercher mes croix là? Putain, j'étais trop bien et vous êtes en train de me niquer dans le délire, sérieux. Ah! Malinx le lynx! J'avais les ronds. Explose les ballons bleus. Je suppose que c'est les ballons bleus. Voilà. Quelle couleur est opposée au rouge? Bah, le vert, non? Ou le bleu? Ah, bah, le bleu. Punaise. Attention! J'ai vu le truc clignoter, hein. No joke. Une blague à 2 balles. Pan-pan, 2 euros. Pas cher. Et ça, c'est quoi? Punaise, non! Mais pourquoi? Ça faisait 2 impacts de balles. Moi, j'ai cliqué là-dessus en pensant que c'était vraiment ça. Une blague à 2 balles. Putain, c'était pan-pan. Quel est le numéro de cette carte? 9. Alors, attendez. C'est un puzzle. Pas compris, je suppose. Mais non! Non! Clique sur la réponse. Non! Putain de merde, j'en peux plus de recommencer. C'est même pas les questions qui me cassent les couilles. C'est de devoir recommencer 50 000 fois. C'est un truc qui rend dingue. T'as envie de claquer ta tête contre un mur. Sérieux, putain, je suis à la question 33. J'avais dit que j'arrêtais à 30. Mais je suis tellement on fire, comme l'alpaga, que je veux y arriver. Hein. Je veux y arriver. Alors, attendez. Donc, je ne veux pas me fail, en fait. On le tient, hein? On le tient. Clique sur la réponse. Où est-ce qu'il est l'autre? Non! 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 Pourquoi? C'est mal fait leur truc, putain de merde! Là il est là. Là il est là. Il me reste plus qu'une vie. Clique sur la réponse. Oui! Ah, les vieilles piles remplacent les. Bah, ok. Les nouvelles piles. Place les piles. Donc. One. Remplace les. Attends, les vieilles piles, remplace-les. Punaise! Clique sur le bouton avant l'explosion. Quel bouton? Quel bouton? Quel bouton? Quel bouton, ta mère? Quel bouton? Je ne sais pas, hein. Ah, c'était le bouton là! Attends, peint dans l'ordre correct. Marron. Bleu, rouge. C'est ça? Oui! C'est quoi ça? C'est un smiley qui est choqué. D'accord. Clique sur les étoiles. Ah mon Dieu! J'ai pas envie d'arrêter, hein. C'est incroyable. J'ai pas envie d'arrêter parce que là c'était complètement stupide. Je clique sur les étoiles. Attendez, c'était ça, hein? Non, c'était pas ça. Attendez. Du coup, il me reste 2 vies, hein. Clique sur les étoiles. Oh putain, la merde. Oh putain, la merde. Eh bien, écoutez, les amis. Voilà, hein, je me suis juré que c'était la dernière ligne droite. Écoutez, je suis arrivée à la réponse 37, je crois. Avec une tricherie, j'avoue. Mais j'ai galéré, hein. Oh putain, comment j'ai galéré, ça vient à l'hippopotame, c'était trop trop dur. Mais bon, bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais 1 milliard de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!